Si grand monde sans honte qui était dans tête ministère affaires étrangères là, t'es osé écrire documents pour lui ou soi-disant t'entendez, il était prendre sanction contre lui. Jeunes arrivés comme ministre affaires étrangères. Et lire les Dominique Dupuis. Meni, c'est un capoise, une femme haïtienne. L'irrivé, ministre, affaires étrangères et des cultes. Voilà. Et c'est lui-même qui remplace Jean-Victor Généus, Tigamoun, sans honte, sans caractère, sans dimension, vision ne peut plus. On route pour image Haïti à l'échelle internationale, ou du moins pour la diplomatie haïtienne. Jean-Victor Généus. Yon tigan moun sans caractère, sans vision, sans rêve, sans, comme si sans dimension. Demoiselle Sa, pour moi-même, après passage, Claude Joseph dans tête ministère des Affaires étrangères, pour moi-même, c'est la plus belle tête que nous avons gagné dans le ministère des Affaires étrangères. On belle tête, on tête qui bien faite. Ce monde qui nous suivent de près. Bref, nous font tendre tout à l'heure. Nous pral connaître plus. Mais moi-même personnellement, honnêtement, je n'ai pas de pièce problème ensemble avec demoiselle ça. Son jeune qui a environ 24 ans, bien quoi, 24 l'année. Alors, 34 l'année, 34 ans. Alors, pour qui ça vous dit ça là, monsieur? Et son jeune qui a environ 34 l'année. Que moi-même qu'on a suivi de près et je vais le faire entendre tout à l'heure, qui est extrêmement important. L'autre monde dans le gouvernement, c'est des mondes que secteur politique et qui met Haïti dans l'état qu'elle trouve le jour aujourd'hui, ils ont même été pour être capable de faire comme pour aller à l'élection. Par exemple, moi, Jean-Charles, il y a un bal dans le ministère pour gagner l'argent pour aller à l'élection. Et il y a un paquet d'autres encore. Gary Pony, alors Gary Pony, il y a un ministère de l'Intérieur. Ça qui arrive au jeune moun pour yon baili, mais et finalement, M. Kembe ça toujours. Ministère de l'Intérieur. Gagné ministère des Finances, c'est une dame qui n'a tête li. M'a pas qui est-ce que li est. M'a vraiment connu. M'a gagné de commentaires que m'a capable faire sous li. Et gagné ministère à la condition féminine, mon dame. Et n'a pas le cherché et bon gentil ancien sous li parce que m'a dit un pile ou nou. Mais comme m'a connu. Et puis c'est où nous gagnons Port-au-Prince, ou pas qu'à faire où nous sa confiance parce que c'est des où nous sans conviction. C'est des mouns qui payent. On groupe pour nous capable de parler sous chat basse là, ils ont 20 000 gouttes d'aller, puis ils ont dit à tout le monde qui a une manifestation. D'accord? Ils ont dit à bas, de Monsieur Dieu, même groupe pour nous, ou l'autre pour nous payer 40 000 gouttes, et puis ils ont dit à tout le même groupe pour nous qui a pris les à bas aujourd'hui, de Monsieur Dieu, ils les vivent. C'est comme ça, et ça, ça, ils étaient militants sous chat basse là, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. OK, c'est pour la chef Haïti pour ça on pas jamais fait ça dans pays encore parce que ça yo cap ça l'image de masse là n'a nettoyer espace là complètement et très bien t'a pas pour faire et problème yo gain t'a pas problème pour faire et travail au besoin l'état t'a créé pour travail pour ba yo on avance Dominique Dupuis et nous allons parler de lui tout à l'heure et n'a faut retirer sur écran docteur Gary Kony premier ministre de facto Gary Kony m'dando et Haïti pas de chance avec mode dirigeant qui gagne genre de comportement ça yo. Les mots qu'a parlé ou pas une cadence on dirigeant dans pays d'Haïti. Ou pas montrer que ou son monde qui gagne et qui ka camper pour prendre décision avec fermeté. Ou pas montrer ça. Ou montrer qu'on sonne cap vin là même j'avais René Préval passé prendre m'a passé chez chaud peuple a dit le gain problème qu'a bal bel discours aujourd'hui de Dieu veut il fait tout à fait l'intérêt groupe moun que le pensait capable financer manifestation bicraser briser côte li me senti ça Gary Kony jodi a m'abdou ça encore une fois seul moyen pour conscience ou en paix pour quitter non ça Konil que docteur Kony qui c'est papa ou te quitté pour c'était docteur c'était médecin docteur François Duvalier comme c'était. C'est donc Duvalier Ris. Pas porté. Mabdou docteur Kony. S'ouvre les fonds bagay. Là, nan mitan les assassins de Jovenel Moïse.
qui en dedans coulève cette traite là. Sous besoin font bagaille, m'a dit ça docteur Koné. Ou gen pou devoir déclencher une opération à travers SNGRS, CNE, TPTC pour propter zone métropolitaine de Port-au-Prince avec camion l'État, personnel l'État, technicien l'État, tout l'argent l'État. Pas bay personne contrat, ça c'est un. Deuxième bagay, qu'on doit faire? Déclencher une opération qui pral déboucher sur une commission de vérité qui pral mener nous droite vers un véritable dialogue avec des mouns que nous estimons qui capable de nous mettre la paix, stabilité dans le pays pour nous retirer zam dans mes criminels, dans mes assassins, dans mes gangs sales, ça y est, cap tout le monde dans Port-au-Prince là. Mais pour faire, ou y a plusieurs formules qu'on capable d'utiliser. Ou y a plusieurs formules qu'on capable d'utiliser. Si que ou ta va décider pour ta normalement faire un bagay et dans tête primature là. Mais comme façon comme moi stat là, j'aime te dire, m'pa pral combattre, m'pa pral contrecarrer parce que ça que moi fait là, j'en le fait là. Stratégie de combat m'pa pral permettre moi camper pour me bataille contre tout. Non, m'pa faire ça. M'a fait exactement même j'avec leader commandant Guy Philippe a fait là. Nous pas prendre nous sous la jeu, peuple a prendre sous longueur. Et pas l'autre possibilité, peuple a va prendre sous longueur. Et faut que peuple haïtien parel pour prendre monsieur sous longueur. Parce que nèg yo enclavé Port-au-Prince là, yo fermé moun qui était capable prendre la rue pour démanteler gang à sapate, gang à cravate yo. Yo fermé population pour peuple pas ka sorti. Ça vient faire que population civile là ou pas ka compter sous lit pour t'avoir démanteler coalition gang dans Port-au-Prince là. Et mais seul moyen c'est venir avec un dirigeant qui a caractère, qui a couille, qui a rien, qui a conviction, qui pas peur mourir, qui est capable de prendre tête par le national, prendre tête pays d'Haïti, pour que nous capables de débarrasser ce pays de tout le monde qui a fait peuple sa mal. Docteur Koné, je vais prendre ça pour me donner des déclarations. C'est que je vais partager avec le peuple souverain. Et m'a fait peuple souverain, entendez ou? Parce que y a un pile cause qui dit. Moi-même, moi, j'ai un pile bagay pam pour que moi dit sous intervention Paul. Entre temps, m'a courir faire population. Hein? Naturellement, attendez, yon parti l'an et discours là. Qui extrêmement important pour que moi fait public l'entende. Mais j'aime te dire, bataille pays, pas kon facile. Mais c'est moun ki gen cœur, c'est moun ki gen nam, c'est moun ki reme moun, c'est moun ki reme Haïti d'abord, qui capable font combat pour aider Haïti sur sa kèl touvel la. Docteur Koné, ou fait intervention, hein? Et que m'pral permet grand public lan, tende tout de suite. Mais entre temps, qui t'aime avancer sous, et avant que me fasse nous tendre, oh, docteur Koné, et m'a dit nous ça. Ou même qu'à vivre dans Port-au-Prince, rend tête nous service là. Rend famille nous service là. Rend maman nous service là. Fais service là. Fais tout effort que nous capable pour nous débarrasser nous de Port-au-Prince là. Ou même qu'à vivre dans zone Solino, m'a demandé où. Fait tout effort qu'on capable pour qu'on retire corps dans zone Solino. Fait tout ça qu'on capable. Ou même qu'a vivre dans zone Delma 24. Fait tout effort qu'on capable pour capable quitter zone Delma 24. Parce que tout simplement, gen un pile policier qui prend l'argent et c'est des policiers Udmo, Utag qui prend l'argent nommé des hommes d'affaires. Et soit disant secteur privé, qui s'annoue les oligarques, que Jimmy Cherizy avec nek gang yo boule maison machine yo en bas, yo déposé de yo de sa te en bas, nek yo besoin touye yon green moun li rele Jimmy Cherizy alias barbecue. Et que yo dit catégoriquement,
Depuis tout le barbecue, il y a bien contrôle tout reste gang yo. Parce que gang yo ont facilité pour diviser, ils peuvent faire capital politique ensemble avec yo pour gérer le problème. Nan. Mais yo dit moun, yo estime, qui fait tout gang yo mettre tête ensemble, parle en seule parole là, il est Jimmy Cherizier. Mais tout projecteur, il est fixé sous Jimmy Cherizier, alias barbecue. Mais il y a un groupe policier qui décide de prendre l'argent, que ce soit dans mes France LB, dans mes oligarques corrompus, pour mener opération pour t'avoir assassiné Jimmy Cherizier. Et c'est dans le contexte ça, trois policiers yo rivé assassiné. Et m'a dit nous ça très bien. C'était même policier ça yo qui t'a mené opération pour te assassiner commandant chef révolution pour libération pays d'Haïti 2024 là qui se commandant Guy Philippe ancien sénateur de la République. C'est même policier ça yo. Nous cap mené opération pour aller tuer barbecue, c'est même policier qui t'a mené opération pour te tuer commandant Guy Philippe et c'est yo qui t'a assassiné 5 agents BSAP sur les champs. Assassiné lâchement. Et puis prend l'autre yo al piquer tête yo avec couteau dans commissariat de Pétionville là. Des policiers qui dans UTAG qui travaillent nos commando nos escadrons la mort que France LB a dirigé. C'est des assassins notoires, c'est des criminels notoires. Et même toujours dit Kama li existait et ce jour-ci Kama prend pas printemps. Kama gon gens que le fonctionner. L'autre tout est petit paysan. Tout est petit paysan. Paysan qui pour possibilité pas lui même pour le défendre tête lui. Seul moyen si elle n'a bout d'appier bois, elle n'a bout d'appier bois, prend Bibli, li prie dans l'église, ou bien elle n'a bout d'appier bois, li jete de l'eau, li lui met baleine, et puis il prie pour vous. Parce que l'on prend plaisir ou tue 5 agents BSAP, comme jeune garçon qui est dans UTAG, yon unité qui est dans la police, ou mélange avec gang que France LB ou tue agent UTAG, yo, gon bagay, bon Dieu te la. Ton est boulem, la vie ou pas prête pour tout le temps parce que jeune garçon qui touye yo, yo gen famille. Yo c'est moun même j'avoue et aussi haïtien même j'avoue. L'assassiné yo connaît que la nature qu'on cherche qu'elle fonctionne et quelque part la bonne des réponses proportionnelles par rapport avec Zach là. Et n'a regardé, c'est jeune de touyer BSAP yo, c'est comme ça nous tout a foutre passer parce que nous trop méchants. N'a fait job sale pour criminel pendant que nous gen famille, nous gen vie, nous pas respecter vie moun. Nous tuer BSAP yo mal monsieur. Nous manger BSAP yo mal monsieur et puis nous penser que la nature pas répondre nous et me penser que seul moyen pour nous redresser situation c'est fait profil bas pas j'aime faire job sale pour criminel pas j'aime faire job sale pour assassin à l'assassiner monde de bien encore parce que crime qui fait soit jambé sapio crime qui fait soit jambé sapio pour dire dans ciel là well et famille moun yo dit ça pas prêter impuni surtout agent BSAP qui sorti dans département sud-est plus précisément dans arrondissement Belanslan tchot nous touye ya qualité cérémonie que yo fait qualité cérémonie que famille cadavre ça fait. Ne quitte mes zam nan tête, monsieur, tout yé, monsieur, ya, en vérité, mon Dieu, ou pas qu'à vivre. Pas que moyen au monde pour vivre. Et pas que rien dit. Pas que rien dit. C'est pas yon nan nou. C'est pas yon nan yo. Ou bien c'est pas lui-même qui passe dans 2024. Parce que nous faisons trop crime, monsieur. Comme des policiers. Et m'a dit ça, je dis, yon. Vle tout haïtien kap tande nan tan, comprenne ça. Y a des crimes qui fait dans le pays d'Haïti. L'on pense que c'est gang qui fait yo, c'est des policiers. Qui rejette un véritable gang pour tout le monde, pour des hommes d'affaires, pour des hommes politiques, pour des hommes qui sont dans le secteur, qui dans le secteur soi-disant, droits humains ou bien société civile. Nous tuons trop de monde dans le pays. Nous faisons trop de crimes. Et là, nous faisons crime, la loi du karma, elle existe et elle a frappé nous très très fort. Parce que nous sommes méchants trop. Crime, nous quand elle doit arriver, il faut qu'elle suspende. Nous ne pouvons pas accepter ça, monsieur. Nous ne pouvons pas tolérer ça dans le pays. C'est nous-mêmes comme policiers. Qui livre président de la République pour 2 000 $ américains? Nous livrons président de la République que nous la pour nous sécurité. Nous foutons tous les présidents comme des policiers. Depuis le samedi, je dis moi-même, dans plus d'amis qui sont policiers. Et c'est yo qui explique 1, 2, 3, 4. Qui qualité vol qu'a fait dans la police? Qui j'en ai volé? Qui j'en ai vicieux? Qui j'en ai gang? Je conseille des policiers. Zamim. Qui vini dans Biden. Moi contre avec monsieur aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Lenega explique ça qui a passé dans la police. En vérité, mon Dieu, ou même comme haïtien de bouton green, policier dans Port-au-Prince, ou pas connel, ou t'as souvent répété courir. De bouton ma, comme si on bako police, ap sorti dans zone tabac, dans zone Delma, sou pas connel yo, ou t'as souvent cherché un trou, bien faux fouillé tatou, parce que ou tout dit, mais escalou la moi, mais groupe terroriste la, mais groupe kidnappeur, abrivé sous. La police la gen nan kidnapping. La police la gen nan kidnapping. La police la gen nan trafic zam.
La police a gagné dans trafic balle. La police a gagné dans faire couverture pour gang cap kidnapper moun. La police fait gros business avec vite l'homme dans kidnapper moun dans commune Tabar. La police est allée sur de 400 maozou dans la plaine. Y a kidnappé, y a tué, y a vendu balle, y a vendu zam. Messieurs dames, son la police qui catégoriquement fini. Par conséquent, nous avons pile bon agent là-dedans. Moi, qui des policiers qui expliquent des bagailles. Pas qu'il possibilité nous pour faire policier confiance, monsieur. Retez. Et m'a dit nous ça. Raison qui cause ou est gang, pas vouloir la police, ou est prêt pour tout les policiers à n'importe quel moment. C'est parce qu'il y a trois policiers qui rentrent dans la gang, non. Cap kidnappé moun, kap les gang nan patron boss moi. Cap pote zam pour gang, non. Pendant que gang kap tue moun dans la société, des policiers ap fait zak sa yo. Et bien, je dis, je viens de dire ça que ça yo, l'offre yo, yo pas prêté impuni. Nous livrer au président de la République en fonction pour 2 000 $ américains. Chaque policier prête 2 000 $. Nous foutons baille trouillon président. Ah, monsieur. Chaque policier prend 2 000 $ américains pour livrer au président policier. Monsieur, ça vrai. La nature a gardé nous. Même si Kama pas arrivé sous nous, mais pas oublié. La passe ou quand même. Il pas prendre l'âge quand elle doit mourir. La prend jeune garçon. Président Jovenel Moïse. Mais viens pas là, non. Aïe, aïe, monsieur. Chaque fois que je regarde bagay là, je me frise. En nous cas de président, que policiers ont livré, que la police nationale d'Haïti livré, bah manger. En nous regarde avec un pile intérêt, président Jovenel Moïse. Mais c'est un pile effort. Mais c'est une volonté réelle pour les deux autres dans ça. En nous faut garder avant que nous rentrions dans le discours PM de facto Gary Conille, sort fait hier, qui était 12 juin 2024. Là. Et nous voulons dire discours, M. Carlos Akil, ministre de la Justice. L'important pour nous donner le tout. Mais Gary Conille, papa, mon cher, nous devons être en monsieur. Parce que monsieur parle. Mais sauf que, là, il a parlé, il n'y son chef qui a parlé. Ou un gars qui est son chef, quelque part pour moi-même, qui est le pape qui autorité. Pour moi, qui est le pape qui autorité. Mais entendez, président, qui est livré avant que je rentre dans la cause. Je dis, c'est exactement 13 juin 2024. Je dis nous bonjour. Bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est là. Obtendez nous et regardez nous encore une fois. C'est un plaisir pour moi. Pour que je m'en avec nous sur la plateforme Panouan, qui est la plateforme qui n'est pas chère. Plateforme YouTube, InfoBetoa. Partagez, commentez, like, abonnez, si nous pouvons abonner. C'est extrêmement important. Si vous attendez ou regardez, pressez, abonnez avec la plateforme parce que vous n'avez pas grandi la famille. Il est obligatoire pour que vous rentrez dans la famille. Ça, si vous acceptez, attendez InfoBeto. S'il vous plaisir, rentrez dans la famille. Il va vous dire un jour. Qu'est-ce que là? Moi, je vais en pile. En attendant le président Jovenel Moïse, nous allons tourner dans quelques. Alors, dans environ 2 minutes. Attendez, très intéressant. A qui te se moun mwen voye? Sa vie, c'est nan département la Tibonite, sa vie. Sa vie, pa non l'autre côté nan pays. Mba ka kampe pour 20-30 nèg décide yo di se yo qui pou dirige un pays que nous te bon dirige. C'est nous qui te bon dirige. Ça veut dire, c'est ça que menem la. Mba kon peur. Nous pas qu'on peut charger de devant moi. Nous devons charger pour me diriger nous. Mais ça qui a passé dans la vallée la Tibonite, je dis, nous chaque qui l'a nous comme ça, c'est parce que une série de monde, chaque bon morceau vallée la Tibonite dans la poche. Je dis, nous voulons nous connaître, morceau vallée la Tibonite, ça, qui n'a pas en série maintenant. Si vous ne voulez pas mettre sous table pour nous parler ensemble, pour voter pour moi, je vais prendre la poche pour mettre sous table pour la sécurité dans la Tibonite. C'est ça que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Comme dit nous ça, nous ne pouvons pas voter pour me courir là où nous avons un problème. Nous ne pouvons pas voter pour me rester dans le palais. Pour nous arrêter dans l'inconditionnel, nous avons un problème. Nous devons laisser la pape marcher pour nous tendre, pour nous venir devant nous. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir et nous voyons tout ça qui a passé. Nous voyons, nous vivons, nous voyons, j'ai pas nous. Je dis,
réforme qui a fait dans le pays, c'est pas moi même seul qui va le bénéficier. Réforme, yo, c'est pas moi seul. Et c'est pour ça, nous, ouais, yo passé par toute bagaille. Jodia, yo sorti dans le pays, loc. Yo tombé dans tout ça, nous connaît. Jodia, nous, ouais, c'est pas les âmes. Que nèg yo vini pour empêcher peuple à vivre pour soulever le côté. Jodi a m'a dit nous ça. Moi vin là, cette histoire de moun bral dim, directeur X, directeur Y. Alors, motion président. Yo passé par tout moyen. Manifestation, pays lock, kidnapping, boule pays, boule bureau l'État, monter photo section 9. Et puis yo vin au niveau yo baye zam tout partout dans pays ya. Pour faire qui ça pour déstabiliser le pays, juste pour être capable de vous un message à la communauté internationale pour dire que Jovenel n'a pas qu'à diriger le pays. Messieurs, dames, mes groupes Mounio qui assassinent le président, mais je dis encore une fois, ils ont un pouvoir dans le pays. Après 33 mois, Ariel, même coalition d'assassins qui assassinent le président, mais ils prennent pouvoir dans le pays d'Haïti. Mais ils ont. Mais je dis nous, c'est tout secteur net qui organise qui prend pouvoir. Ça veut dire que le peuple a dû prendre note. Bien de ça qui a passé là. C'est Lavala, c'est Fusion, c'est OPL, c'est Unité, c'est Vérité, c'est Troisième Voie de Boulos dans le pouvoir tout. C'est Dimitri Vob, c'est Oligarchie, tout dans le pouvoir net qu'on est. Tout messieurs qu'on est qui a le pouvoir dans le pays d'Haïti. Depuis 30 ans, ils ont cap caché, ils ont tout jodi, ils ont paraît tout koyo, c'est yo qui a le pouvoir après au final assassiné un chef d'État en fonction. Et bien, jodi, m'a dit comme jeune garçon, capitaine de m'gardem là. Nous même qui peur politique. Si qu'on rete dans zone de confort là, ou pas mettre tête au dehors pour prendre engagement par là, ou pas jamais capable vivre dans pays ça, voir pour ta du coup à l'aise dans pays ça. Sou dehors, ou pas mettre mon en patte là, jamais mettre en patte là. Ou pas jamais ka rentrer dans pays là parce que gon groupe de nèg ki la yo même, yo rassi. Yo pour comme si yo vinn tourner rad do calé dans politique, c'est yo seulement capable ministre. C'est au premier ministre, c'est au président, c'est au qui dans tout le ministère, qui c'est au dans tout ministère, dans toute direction générale pour continuer détruire pays là. Dans sens ça m'a dit ou même comme jeune, prend toute disposition, organisez ou pour permettre que pays ou sorti dans sa que trouver là, ou capable. Ou capable parce que me montre qu'on capable. En nous bataille, c'est là ou qu'a trouver président, c'est parce que président a fait vraie route là. Et ben jodi hein, nous pas parler plus de ça oui, mais entre-temps en courir rentrer dans dossier qui d'actualité là. Et intervention, et PM Gary Conille. Et bon, en pile, mon appareil de monsieur nous dit clairement, nous pas capables pas et pas fortendé. Vous comprenez? Et Gary Conille. Ok? Nous pas capables pas faire le marché. Et nous pas capables pas faire le marché. C'est très intéressant pour que nous capables organiser nous. Et docteur Gary Conille ou doit entendre l'intervention que monsieur fait et qui en pile monde estimé qui sont belles interventions. Et docteur Conille, monsieur a estimé que monsieur fait une belle intervention que moi-même décidé pour que naturellement moi partager ensemble avec nous. Nous prenons le passe pour t'entendre, docteur Conille. Il faut que nous commençons à marcher sur le chemin de l'État. Maman, nous, je crie Haïti. Haïti, je l'aime, mais moi. Il y a une petite parole qui dit vous mettez Haïti, j'en lire. Libon vous sans un maladie. Pour le moins, respect que je pour le pays, depuis que je commence à avoir un esprit, c'est une grande honneur pour moi. Pour me porter coller dans soutenir pour me tourner camper le sous pied. Pour nous faire ça, faut que nous commencions à marcher sur le chemin de l'État qui chita sous droit à justice, démocratie et développement. Je commence à dire merci à tout le monde, tout le groupe, à One Bade, que ce soit la société civile ou sinon tout l'autre côté. Je vais recommander ma soutenue candidature pour poste Premier ministre. Le choix ça a montré qu'il y a une confiance dans moi. Et nous, nous sommes
moi pas faire nous honte. Tendez ça me voter dans Jacout moi. Et puis choisis dans mitan quatre autres compatriotes qui ont en pile qualité et mérite tout. Est-ce que vous entendez bien, mes amis, frères et sœurs? Nous ne pouvons pas cacher la maladie pays. La maladie, non. Il faut que nous reconnaissions qu'il ne peut pas porter le bien même. Nous faisons, et nous faisons, nous faisons que nous cherchions un remède pour lui. Dans l'état lié, il faut que nous cherchions plus bon médecin feuille et plus bon médecin moderne pour nous sauver. Mais bonne connaissance, ça pas suffit. Faut que nous bon tout la volonté nous et faut que nous bon tout la honnêteté nous. C'est vrai, depuis le créé, le pays a toujours un bouleversement politique. Tu as toujours un plus fort monde dans la population, tu te mettre dehors, même le dans le pays. Le groupe monde qui plus souffre, généralement, c'est les paysans. Toujours un problème social. Mais je ne dis pas, après plus passé 200 ans, la société nous a gagné net. Moun pa vivre dans la paix. Moun pa ka circuler libre libre. Si moun pa ka à l'école, machan pa ka vendre produit pour yo prendre soin famille. Bandi ap marcher tout yé moun lè yo vle, jan yo vle. Ça fait moun pas qu'à vivre dans le pays. Seul l'espoir jeune nous, c'est quitter le pays pour partir. Même là qu'on est l'autre bord pas douce, pays étranger pas paradis. Yo di y a qu'à jouer un travail et puis vivre tranquille. Ça yo chaîne sociale là. Moins comprendre et moins entendre. C'est pour ça que je suis là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible, voué au service d'autrui et à la République. Yes. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sape les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens,
à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple. Alors, je vous rappelle que nous avons le Premier ministre de facto, Gary Conny, qui est dans la cérémonie d'installation, alors gouvernement là, qui te prend la parole et qui t'a fait discours ça. Mais je vous rappelle que je pense que, bon, naturellement, tu as gagné étranger là, des monde qui, franchement, et code diplomatique là, whatever, groupe moun nous connaît. Bon, franchement, mais dans le pays moun sa yo, il va pas parler de langue pour Haïti, faut dirigeant et parlons langue pour étranger, après ça faut le dire des grandes paroles pour moun, pour quelques grand monde dans le pays d'Haïti, pour quelques grand monde. Mais n'a font discours en Haïti pour peuple haïtien, nous rassurer nous que nous fait 90% discours en français. Par contre, pour qui est-ce n'a parlé mon pour qui peuple n'a parlé. En outre, des docteurs Kariconi qui gagne et quelques interventions qu'il fait en créole tout, mais en pile dans discours en français. En avance, docteur Kariconi à l'appareil. Pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de se mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des trois policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années. Bon, vous dites lâchement assassiné, mais je pense que policier Itag, yo papa, a été chargé, c'est la vie. La vie, oui. Je disais donc la sécurité d'abord. Mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de... Bam retenir ça, bam qui m'a faut m'attirer attention sur ça. Premier ministre Gary Conny dit
tolérance zéro dans sa fait corruption. Ha ha! Quand il y a eu côté lié là. Ou bien, monsieur. Et PM, non. Comme discours ça, yo. Peuple attend en pile. Il va faire peuple ni chaud ni fret. Nous attend en pile, vrai, oui. Ça se reprenne. Il va faire nous ni chaud ni fret pour tout bon, non? Et en tout cas, tolérance zéro dans affaire corruption. En tout cas, docteur Koni, bam kito balé, bam pa koupe ou. Basim pral, peuple pral commenter là. Alors nous ka commencer commenter parce que naturellement konnen nou gen pile pour nous dire là. En avance. Responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits régulières seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque goutte dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgemment et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace
qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'appelons les peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi dans l'avenir. Parce que les pi fait noir, c'est jour pour l'ouvrir. OK. Pour soleil la vie, n'tan et bada. N'tan et bada. M'a dit nous, ça a fausse conviction. Et bon, PM, n'a qu'elle est pas fin, toi en forme. Et lui, on a déjà soufflé. Bah, qu'on est. Et parce que monsieur a supposé organiser lui pour que. C'est même la vie. Pas gagné qui est plus important que la vie. OK? Peut-être, monsieur, il y a une volonté réelle. M'a dit ça. Monsieur, peut-être capable de une volonté réelle pour le travail aider. Mais cependant, faut qu'on campe. Faut qu'on doubout. Bon, dans le langage grand, moi, et les paysans, il faut qu'on doubout pour qu'on campe. Pour t'avoir fait face avec. Défi qui vous dit que tout, nous tous connaissons. Il faut qu'on en santé. On continue à attendre des déclarations PM, non? Mais nous voyons que M. Pafin au monde qui est trop en santé. On avance. Nous sommes capables de souligner ça. C'est un peuple qui fait l'histoire, le monde changer. Nous sommes parmi gros peuples sous la terre. C'est pitié, pitié, mais nous pas pitié. Depuis le peuple qui a été fier de l'Ivo, depuis que nous avons force à dignité, depuis que nous avons à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jam, n'a pas arrivé loin. Pour moi-même, je nous garantis que je suis paré pour me goûter. Pays a tout paré pour me goûter. Pays a tout le monde pour me courir le conseil présidentiel là, le travail a fait pour tout Haïtien qui vit à cœur posé. Dans un pays qui est uni, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble pour décoller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, car la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population. Ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, haïtiens, tout partout sous la terre, moi je voulais couper bien bas pour me remercier nous pour la confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir, tu voulais faire. Nous avons une mission pour nous changer ça avec le peuple. Famille, jeunesse là, diaspora, tout haïtien à la one badé, tout côté sous la terre. Nous voulons faire ça nous capable pour faire lumière, vin lumé, pour nous faire l'espoir bourgeonner. Moi je voulais prêter parole poète René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait lui attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'inspire l'amour et lui fait quoi. Que pas grand rien qui est impossible, le nous mettre tête nous ensemble. J'éprouve un réel plaisir à procéder. Voilà, c'était docteur Gary Conille, actuel premier ministre et pour gouvernement de facto.
qui te prend la parole dans la cérémonie d'installation de côté que, alors m'a souligné ça, c'est extrêmement important, côté que d'après ses voix, lettre d'ampliation. Ampliation. Et c'est ça, et qui sont preuves tangibles qui montrent que Rosemont Jean, t'es gain raison, ok? Le Rosemont Jean te dit non, Ariel Henry, c'est Badjo, il te voué prendre ampliation en d'un cas président, le Badjo, t'as touillé président. Avec vous, bagay là, Ariel, comme on côtoie, États-Unis, on connaît aucun beau dossier Jovenel Moïse là, aucun beau pour Ligasom. Ou pas prêt à Haïti, y a pas mal au dossier, ya. On a touillé président pour tout bon. Et quel que soit Jean, ça y est, aïe aïe aïe. Nous comptons de causer. Moi-même, dossier Jovenel Moïse, ça, nous avons kembe pendant 35 mois. Maman petite, mette comment c'est ma revente. Maman petite, si Jovenel Moïse, c'est ton petit, on petit mis sans garde, nous mettons rete, croise bras nous, pour un plaisir nous. Mais Jovenel Moïse, ça, nous avons un problème. Nous mettons fait 3 ans, Bambi les gagote. Et tôt ou tard, Abraham a dit c'est assez. Parce que, Diblozé a la gueule pour le fini. En outre des présidents, Koulev 7 traite là, plus 2 traite, Fenef traite là, et Edgar, et oui, Gadi Leblanc, Edgar Leblanc, fils, qui te prend la parole tout de suite après, et PM Gary Kony. En outre Edgar Leblanc. Au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation, à l'investiture du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Gary Kony, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement est de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire, qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il me soit permis de mettre l'accent sur les trois points suivants de ce tableau de bord appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition. Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue, au nom du Conseil présidentiel, le déploiement des forces armées d'Haïti dans l'aire protégée de l'aéroport international Toussaint Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever, je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés ce dimanche à Solino au bas de Delma. Hypocrisie totale. Et c'est ça qui finit avec la société haïtienne.
Gary Conille, premier ministre, mandé yon minute de silence. En mémoire, trois policiers UTAG qui assassiné en dedans Solino et Delma 24. Mais par conséquent, yon pap jam di, nèg kap van zam avec balio pour qui ça continue vendre dans le pays. Yon fout dans Pétionville là. Et c'est yon même qui dans le secteur privé des affaires là. Yon pap jam questionne nèg sa yon. Kap vendre nèg à sa patte la zam nan. Nous pap jam résoudre problème nan. Hypocrisie totale. Edgar Leblanc a demandé une minute de silence. Hypocrisie totale. Même comme si c'est ça me raille la caille. Bonne vermine ça qui cause nous que Haïti pas jamais saute dans ça tout autre que c'est mal propre ça yo qui vient diriger dans pays d'Haïti. Et c'est seul qui flic qui t'a fait. Malheureusement, nous avons peuple Port-au-Prince qui croit dans mille good, qui croit dans pays bon rara, bon petit moi mettre dehors pour me prendre la rue et vivre là-bas. Qui Philippe pas dans ça. On peut pour supposer prendre dimension histoire, parce que peuple ça, nous supposons que nous faisons bataille à la haut, comme si dans la dimension histoire, nous comme peuple. Sri Lanka, ce qui fait en 2022, yon font pote bourré, yon déchouqué, yon équipe dirigeant qui est estimé, qui pas travaille pour le pays, qui pas travaille dans l'intérêt, yon déchouqué, yon mette yon de yon retire dans le pays. Alors nous même nous campé, nous gardé, yon équipe sans avis. Ou équipe volé, ou équipe gang sale, ou équipe vicieux, ou équipe sans coucha, qui vient rancer dans colette pour nous. Et puis nous avons bêtisé. Chita rancé là. Et puis y a qui vient là. Rancé. Hypocrisie totale. Nous, pour qui ça nous pas font? Ok, font discours dit clair. Ne kap von zam avec balle dans le pays à partir de jodi. Moi-même, comme premier ministre Gary Conille, moi dit que nous devons mettre un frein. Dans ne kap von dans trafic zam qui a fait dans le pays. Nous pas jamais qu'à dire, c'est parce que nous connaissons. Nous connaissons, nous quittons à continuer à faire business, la vente zam nan ghetto, zam nan tout yon policier, zam nan tout yon malheureux, malheureux, la tout yon tout bon moun. Et puis nous campons à prancer dans tête moun. Hypocrisie. Continuez à faire discours par an lè, rancer. Moi même pas nan baye ça avec moun. Tolérance. Nous connaissons menton ap baye. Nous connaissons bien et menton ap baye. Vini rancer dans tête moun. Par an exerye nan vindi. Vini rancer. Et genyen. Premier ministre qui t'a présenté et ou du moins t'a installé ministre justice là on nous faut attendre docteur Koni qui t'a installé maître Carlos Ekil comme et nouveau ministre de la justice et de la sécurité publique et qui t'a remplacé madame Sanhont Sangouin volé vicieux sans coucha lougaou maman volé sacré Emi prophète Messia on nous tendez et bon moment volé ça lui-même bon franchement monsieur aïe, 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 madame territoire perdu ça. Moi, ça, j'ai un bon monde qui arrive chef Haïti. Ça, j'ai un bon monde. Bon, pendant que tu as installé seulement un porte la table de ce contrôle, tu as mis un commando policier solide qui t'a vécu ce qui a quitté le pays. Et bien, qui t'a payé ça, mon gars, tu as fait nous. Tu as volé, continue. Franchement, man, on avance. Les actions et les dispositions adoptées ont été en deçà des attentes et ont alimenté les incompréhensions et les critiques. Malgré vos efforts et malgré vos engagements. Cependant, au nom de la République, je veux remercier Mme Prophète pour ses services à la tête de ce ministère durant cette période très difficile. Je note, non sans intérêt, que sa tâche n'a pas été facile dans un contexte volatile où chaque action posée est vite dépassée par un événement qui avilit notre État et tente de décrédibiliser davantage les autorités aux yeux de la population. On voit surtout les manquements, mais on ne valorise pas assez les efforts et les sacrifices consentis pour éviter une calamité encore plus grave. Je crois que l'histoire retiendra que la ministre Prophète et son équipe, vous avez été courageux et vous avez su résister de manière ferme à la barre pour vous assurer de la continuité du service public assuré par ce ministère. Monsieur le ministre, mon cher Carlos, en vous adressant mes vives félicitations pour votre désignation au poste de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je voulais mettre en garde qu'à partir de cet instant, tous les regards convergent vers vous, ainsi que les attentes. Désormais, une nouvelle figure, une nouvelle cible à tenir responsable des problèmes de sécurité. Problèmes, ils ont pile et ils ont tout côté dans le pays.
moun yo ap soufri, prison yo kaze, la ri a chaje moun ki te nan prison, ki te doué nan prison, kap kontinye simen la troubay, e mette glo lanje population. M ap rappele ke chak fwa gen yon problème, tout moun pral mande kont minis justice la. Y ap gen rezon, paske l'Etat paye pou pote repons ak problèm yo. Mwen konnen deja pa fasil. Situasyon avin pi mangome nan mouman sa yo. Problèm ak fonksyonman nan tribunal yo, pa kat nan tout komisaryay yo, dwe priorite depi kounye. Je sè ke les atantes depase trè largeman les moyens disponibles. La patience de la population arrive à sa fin. Les amis, il faut de l'action. Et ceci tout de suite. Il faut des mesures fortes, il faut des mesures graves. Il faut des dispositions claires et des engagements fermes pour restaurer la confiance. La confiance des employés, la confiance de nos vaillants policiers, et enfin, et surtout, la confiance de la population. Ce terre de changement qui traverse la population est un sentiment qui peut être passager si les actions concrètes ne suivent pas, et ne suivent pas très vite. Il doit servir de leitmotiv pour fédérer toutes les énergies afin de casser le cycle infernal de nos peurs et de nos malheurs. Monsieur le ministre, vous prenez vos fonctions dans un contexte où plusieurs de vos collègues ne peuvent même pas accéder à leur bureau. Certains locaux sont carrément inaccessibles, incendiés ou saccagés. Il faudra rapidement restaurer la présence de l'autorité de l'État dans les espaces de présence et d'exercice même de l'administration, mais aussi dans l'ensemble du pays. L'État ne peut ni ne doit perdre de territoire. Il vous faudra du courage pour affronter les auteurs et les corrupteurs de ces incuries. Ceux qui, dans l'ombre, ont conspiré contre la nation doivent répondre des conséquences de leurs actes. Pendant longtemps, l'impunité a alimenté la chaîne criminelle qui sème le deuil et la désolation dans les familles. La population attend des signaux clairs et forts contre les artisans de nos malheurs. Vous devez troubler leur sommeil. Ils doivent savoir que l'État s'est relevé. La République est debout et est déterminée et résolue dans sa ferme conviction de garantir la sécurité de l'innocente et l'innocente liberté à tous. Pour moun qui t'a bambilé, frappé, blessé, touillé à complicio et cocodayo, m'abdio que saison pour a fini. Et PM n'a dit pour moun qui t'a bambilé, puis a fait saison pour a fini. T'as bien aimé parole, ça marche avec action. Da bien il marche avec action hein? Et s'il te marche avec action il t'a bon en pile il t'a important il t'a marche avec action aïe monsieur c'est saison la pire qui commence créole parler créole comprendre monsieur le ministre en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la constitution et les droits de la République je vous installe dans vos fonctions de ministre de la justice et de la sécurité publique. Vous pouvez compter sur mon support et celui de toute mon équipe pour réussir pleinement votre mission et relever les défis qui vous attendent au tournant. Bonne besogne. Pour ce 12 mars... Voilà, c'était déclaration et Premier ministre et Gary Conille qui tapait installer ministre de justice là, qui se met Carlos Erkel. Eh bien, justement, on va le temps de déclaration et nouveau ministre de justice là, qui se met Erkel en autant délit, tout d'abord, après Premier ministre là. Dans l'anniversaire de création de la police nationale d'Haïti, en 12 juin, en guise de célébration, j'adresse une pensée spéciale en mémoire de tous les policiers et policières, ainsi que tous les citoyens, les citoyennes victimes de la violence aveugle et meurtrière des hommes armés. C'est avec une profonde gratitude et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que
nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Je tiens tout d'abord à remercier le Premier ministre Gary Conille et le Conseil présidentiel qui, de commun accord, ont fait choix de moi pour assumer cette lourde responsabilité. Sachez, Monsieur le Premier ministre, que je mesure pleinement l'importance de cette fonction et les défis qui l'accompagnent. J'ai accepté de servir mon pays dans un contexte particulièrement volatile où la violence règne en maître et terrorise toute une population aux abois qui n'espère plus, qui n'a plus de confiance dans notre système judiciaire, d'autant qu'elle bute à de si grands défis qui paralysent son fonctionnement régulier. Nous vivons des moments et une période au cours desquels les enjeux judiciaires et sécuritaires sont nombreux et complexes. Bien avant le décès tragique de l'ancien président Jovenel Moïse, la situation sécuritaire laissait à désirer. Cette crise allait connaître son apogée avec des phénomènes de grand banditisme, la radicalisation des groupes armés, le siège des grandes villes de département et périphéries, notamment l'Artibonite et l'Ouest. L'économie est mise à mal. Les familles haïtiennes ne savent à quel saint se vouer. Elles sont victimes dans leur peau, dans leur chair, dans leur sang et dans leur patrimoine. Elles sont à la merci des hors-la-loi. Parallèlement, la plupart des institutions de l'État sont soit non fonctionnelles ou ne répondent plus à leur vocation. Au niveau de la gouvernance étatique, notre pays est à la traîne de tout ce qu'il y a de modernité. Il n'y a aucun élu présentement en Haïti. Les dernières élections datent de 8 années, contrairement aux vœux exprimés par la population à travers la constitution qu'elle s'est donnée. Malgré ce tableau sombre, depuis quelques semaines, avec l'avènement des nouvelles autorités, l'espoir semble renaître. À ce vent nouveau à notre horizon, il faut adopter les dispositions qui s'imposent pour des résultats concrets. C'est à cette tâche que nous devons nous atteler et c'est à cette tâche que nous allons nous consacrer. Je m'engage aujourd'hui à me mettre au boulot en pratiquant certaines vertus qui me sont chères, telles l'intégrité, l'impartialité et surtout faisant partie d'un groupe de gouvernement dont la principale mission est l'organisation des élections pour permettre au pays de remonter sur les rails de la démocratie pour la paix, la stabilité et le développement durable. Cette responsabilité qui m'est confiée, je ne peux et ne saurais l'accomplir seul. Voilà pourquoi, tout en vous offrant la mienne, je mise sur la collaboration, la franche collaboration de toutes celles et de tous ceux, fonctionnaires cadres du ministère, de la PNH, surtout du CSPJ, des barreaux de la République, des associations de magistrats, d'avocats, de faire front commun avec nous en faveur, en vue de soulager la souffrance et la misère de la population livrée à elle-même. Nous devons avoir constamment à l'esprit que la justice est un service public et comme tel doit fonctionner de manière ininterrompue. Aux membres de la communauté internationale, acteurs de la société civile, aux organisations des droits de la personne, vous serez les partenaires privilégiés dans cette quête de sécurité et de justice que nous nous fixons. Certes, les défis sont énormes, mais le divin a donné à l'homme l'intelligence nécessaire pour se colter aux difficultés et embûches
qu'il est appelé à rencontrer sur sa route. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, les priorités des priorités du gouvernement auquel j'appartiens demeurent la sécurité et les élections. À ce rendez-vous, nous nous engageons de répondre présent. Toutefois, nous ne saurons ne pas mentionner et tenir compte de certains faits majeurs et d'actes de vandalisme qui constituent et ont de graves conséquences sur la vie dans la cité. Nous pensons particulièrement à l'assassinat des trois policiers récemment au Bas d'Elma, aux attaques suivies d'évasion des principaux centres carcéraux du pays, de la destruction et vandalisation des infrastructures de la PNH et de la justice, et pour citer le palais de justice de Port-au-Prince. Des individus, comme le PM vient de le rappeler, dont la place devrait être en prison, sont dans la nature et viennent s'additionner aux contrevenants à la loi et l'ordre d'une société civilisée et régulée. Des dispositions devront et vont être prises pour contrecarrer cet état de fait. Ces actions devront conduire à l'amélioration progressive de la sécurité. Les cours et tribunaux devront être mieux logés pour permettre aux délinquants de faire face à la justice et d'être fixés sur leur sort dans des délais raisonnables. Aussi, au niveau des instruments légaux, certaines réformes ont déjà été entamées ou méritent de l'être. L'entrée en vigueur d'un nouveau code pénal et de procédure pénale au regard du décret du 22 juin 2022 avait été reporté pour 2 ans. Dans l'intervalle, rien n'a été fait pour leur mise en œuvre ou les révisions de certaines dispositions ayant fait l'objet de controverses. Il y a donc lieu incessamment d'adopter les mesures idoines pour adresser cette situation. Également, on ne saurait passer sous silence certains dossiers brûlants à caractère administratif, comme le suivi de la nomination des juges, le traitement des magistrats debout, le traitement des greffiers, une meilleure synergie entre le CSPJ et le ministère de la Justice, revisiter les lois organiques du ministère de la Justice, avoir un nouveau décret sur l'organisation judiciaire, mais aussi un décret réorganisant le ministère de la Justice. Autant de chantiers qu'il faudra s'en occuper. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. La situation générale du pays est préoccupante. Acta non verba. La... Voilà, pardon, ces déclarations et M. Carlos Akil, nouveau ministre de justice, et qui remplaçait Madame sans honte, Maman sangouin, Maman volo, Maman lougaou, Maman criminel, Maman gang sale qui t'a boué sang, Maman territoire perdu, qui t'a relé Emily Prophète Milsé. Maman sans honte ça qui t'a travaillé pour Joseph Michel Matéli et Dimitri Vob, le ministère de la Justice, et me dit nous sommes toujours croisés dans Miami, surtout dans downtown Miami, parce qu'elle est toujours croisé avec Neglio, et elle a toujours croisé les prenis. On a dit qu'elle a fait des potes bagarres avec lui, elle est madame tête chargée. On a dit qu'elle est tête chargée. Et gros causé. Eh bien, madame sans honte comme ça. Elle est une femme capable. Franchement, le grand monde, oui, mais sans honte passe le bagarre. Parce que le bagarre, c'est voleur, oui. Naturellement, vous volez. Maman volez ça. Vous depuis petit monde, depuis ça, vous pas bon. Vous pas bon monde. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, naturellement, c'était déclaration. Carlos Akil. Moi, même naturellement, je dis que moi, c'était pour jeune dame, qui c'est Dominique Dupuis, qui était doué. Alors, pardon. Et alors, pour ministre justice, nous te souhaitons c'était mettre Luc Mandelé. Si nous avons fait pays, si vous avez besoin, des gens qui sont responsables, ok? Des gens qui respectent la tête, des gens qui sont capables de mettre la paix vraiment, ok? Et des gens qui sont capables de battre contre gang vraiment,
yo t'a prend et mettre Luc Mandelil, yo t'a prend mettre Luc Mandelil. OK? Mais comme c'est pas et pas un travail sérieux besoin fait, mais ça qui cause ouais. Yo sauté mettre Luc Man, il tombé côté yo tombé ya. Mettre Carlos Ekil. L'a vinn là, j'en nous connait déjà. Et blablabla, bla bla, c'est fini. Mais après ça, rien encore. Voilà, et on nous traversé en attendant de madame Dominique Dupuis, une intervention qu'elle t'a fait dans et dans assemblée qui t'a faite dans UNESCO. Nous t'avons pas attendre jeune demoiselle ça qui vini comme ministre et de la justice. Je ne jeudi. Alors, pardon, comme ministre et des affaires étrangères et des cultes. Et pour moi même parce que c'est une belle tête qui nous gagne en diplomatie hein, qui dans tête ministre affaires étrangères sont jeunes parce qu'il va la chance et avec la jeunesse surtout pour près de 40 jeunes que docteur Claude Joseph t'a aidé et alors capable dit et pas sur concours que docteur Claude Joseph t'a fait ça timonité et passé et mais docteur Claude Joseph t'a facilité rentrer dans diplomatie Jean-Victor Généris avec équipe Lissou Ariel yo humilié jeunes yo. Mais espérer que madame Dominique travaille pour que li capable aider jeunes sayo et reprend place yo dans diplomatie haïtienne. Et l'autre bataille madame parce que moi même personnellement m'bra aller garder comment ta va bon bourad dan parce que ou son jeune femme qui dans diplomatie m'pense que ou gen pile bagay ou ka fait mais moi même pour moi en tant que haïtien qui vivent en Dominicanie m'pense qui gen pile bourad ko capable ba nous avec situation en Dominicanie politique affaires étrangères là parce que nous pas de un ministre affaires étrangères qui a un caractère qui a une dimension qui est capable de camper pour parler ensemble avec en face qui pour te parler avec Roberto Alvarez et par rapport avec qualité des autres qui n'est pas fait et sur Haïti tout déclaration dit ça ouvre les gens ouvre leur pipito pas une personne qui a répondu mais qu'on y a m'a demandé est-ce que gouvernement qui là a bien couru pour faire madame Dominique Dupuis à l'appareil nous saluons belle madame. Et comme qui rivait prend tête ministère affaires étrangères. Malheureusement, nos gouvernements sales, nos gouvernements santifort, nos gouvernements criminels, nos gouvernements assassins. Et bon, ou vini, Gary Koni là, pas qu'on est si Gary Koni gen volonté pour tout bon, mais j'aime li, elle pas vini, il pas vini gen santé et voir pour ta camper pour ta bataille en face criminelle. Bon. On avance. Je ne veux retenir personne de l'heure du déjeuner. On a eu une longue Madame Dupuis. Matinée, mais il était de mon devoir, en ma capacité de vice-présidente du groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes, de vous féliciter de votre élection et de vous remercier des premières remarques que vous avez prononcées, nous appelant à l'unité et au rassemblement. Et je vous souhaite, en ma capacité personnelle, tout le succès dans vos nouvelles fonctions. Madame la Présidente, comme vous l'avez dit, je souhaiterais remercier la région de la confiance qu'elle a placée en moi et dire quelques mots, une minute de temps de parole, pour la première fois dans l'histoire de cette arène, en créole, langue d'unité, langue de liberté et langue nationale d'Haïti. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, moi t'arrête même prendre la parole pour moi dire un petit mot tout coûte, tout faux, pour moi dire merci. Yon gwo kokenchen, merci pour tout soutien nous. Parce que c'est la première fois dans l'histoire nous, dans plus passé 77 l'année présence nous dans UNESCO, que Haïti pral jouer rôle vice-président conseil exécutif là. Moi honoré en pile pour confiance nous, honneur et respect pour nous. Mais si c'est la première fois Haïti pral parler dans nom l'autre pays dans la région dans UNESCO, c'est pas la première fois Haïti gagne pour le penser avec l'Amérique. Pour nous parler dans nos tout frères accès nous yo. En effet, les Dessalines t'ont proclamé l'indépendance, c'est pas seulement pour lutter casser chaîne dans Kaila. Non, c'était pour te faire l'esclavage kaba tout partout. Depuis saute sous mon tête Pilboro, rivé sous tête mon Machu Picchu. L'élite proclamé liberté, c'est pas pour haïtien seulement, mais c'était pour tout le monde, pour chaque grain de femme et garçon qui sorti dans pointe au Mall Saint-Nicolas, rivé dans pointe Patagonie. L'ambi liberté te sonne et puis vent te brotel. Dans toute plaine ak tout mon nou yo, traverser l'autre bord de l'eau, gaye à la ronde badè dans le monde, rive l'Afrique Guinée. Tant que président Pétion, l'élite Coré Francisco Miranda ak Simon Bolivar dans l'année 1816 et puis embrasser bataille liberté dans tout recoin l'Amérique, Haïti fier
pour les capables dans non Gwilak, dans UNESCO, et puis pour les défendre intérêt avec valeur tout pays dans la région de conseil là. C'est un principe fondateur pays d'Haïti. Moi, je joue une boussole qui dicte moi pour me faire tout ça moi capable pour organisation ça remplir mission li pour qu'il tire tout peuple kabujonnais pour éducation ka caché rete en seul côté pour la science pas gain moun pas pour tout pays ka parler nan voix parle pour tout monde ka pote coller et puis pour tout monde joine. Merci en pile Aï Bobo. Merci en pile madame et Dominique, madame Dominique Dupuis, et naturellement qui c'est madame qui a peine rivé comme ministre des Affaires étrangères. Yo fait me connaître cet avant coup de crayon Claude Joseph, mais Claude Joseph là il a fait gros coup de crayon papa. c'est gros causé oui. Bon, de toute façon si c'est coup de crayon Claude Joseph, mon cher, félicitations parce que moi-même parce que dame ça qui rivé comme ministre des Affaires étrangères, moi-même aimer ça. Son jeune 34 ans. D'accord? Bon, l'un sorti, nous t'y gommons sans honte, sans vicieux volet, et sorti dans tête ministère et affaires étrangères, après passage Claude Joseph, bel passage pour moi-même, que toute jeune t'es vraiment à féliciter et remercier Dr. Claude Joseph pour passage, pour gens qui t'ont comporté dans tête ministère, et m'a capable de dire non. Et dans tête ministère affaires étrangères, je nous t'ai félicité, mais je dis, hein, nous venons sortir dans voler vicieux les gens victoires et génistes là on dit gamon sans honte et ben jodi an et gamon sans honte ça aller mais jeune qui remplacé nettoie à chou chaise neuf by demoiselle la main pas mettre chita dans même bureau côté vie voler ça te chita by madame non bureau neuf pour moi et lycée ministre affaires étrangères en même temps ministre des haïtiens vivant à l'étranger bravo mettez un bel bureau pour madame dans moi dans Miami et puis font passer main dans le consulat Haïti qui trouve le Miami pour nous. Faut passer main. Et madame m'a tout dit ça très bien. Et il y a un phénomène haïtien qui vole encore pour le passeport. Dans Washington DC. Il a fait passeport haïtien, il n'y a pas bel argent. Il a volé encore là. Et dans tout côté honnête, ça a un problème, ça ne va pas l'évoquer. Je ne parle pas Claude Joseph, je vais les monsieur, oui. Je vais les monsieur. Et parce que nous ne faisons pas l'avant, madame. Vous venez là, moi-même, je dis que je pays en pile. Je dis que c'est un jeune qui est mes pays. Et ou fouille corps, et vous connaissez. Avantage, un petit avantage pour rejoindre belle femme, n'est-ce pas? Belle femme, de belle femme, non. Bon, qui a compétence tout, et pas belle seulement, non. Belle femme, qui a compétence, tout bagaille, arrangé li, mais il y a osé. Mais un pilote jeune qui belle, et qui va jouer une chanson, même espérer l'autre jeune, tout, qu'on parcourt, et pas arrêter, griller corps, perdu tête en bas sous TikTok, seulement, bah, il y a un grand Jean. J'ai l'image, nous, mesdames, c'est, n'est-ce sérieux, papa, men, il y a prend plaisir avec une femme qui mette tête en bas. Mais madame Ali, madame Pali et mon Ali a fait Pali, il a gagné li en privé. Il a fait ti sorti, il va dans Tropicana avec lui, il va dans classe avec elle, il a fait belle vie, mais ou même qu'a pandi à papa, il va dans Tony Mix avant. Dans Tony Mix, vous comprenez ça monsieur là et puis Tony Mix a chao a pété et madame Tony Mix, madame monde de bien. Vous comprenez ça monsieur là, on pas jamwel dans mi-temps nous, qu'a fait n'importe bagarre, mais sauf que fuck gain tout le monde parce que chaque pain gain fromage yo. Si moun yo bel, yo gen l'âge pour prendre plaisir yo, ke yo prend plaisir a yo. Ou men mwen, et mwen 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 wè yo, fou papa, mwen mwen wè yo, le ap kale ko yo prend plaisir yo. Et c'est ça. Mwen mwen le ap prend plaisir yo, c'est ça. Et c'est ça. Ou men mwen, mwen mwen le ap prend plaisir yo, kale ko yo. Et c'est ça. Et dam yo prend plaisir yo pour tout bon. Et dam yo prend plaisir yo, papa. Et... OK. Mesdames, yo prend plaisir. Voilà, maintenant, il y a un pile causé et qui a pu parler là et dans la République, un pile causé qui a parlé. Vous comprenez? Maintenant, il y a quelqu'un qui dit et Foberto et semaine ça m'a largué dossier bataille commandant Guy Philippe là. Madame Dupuis, n'a font retirer sur écran. C'est pas sujet pour madame. Nous saluons encore une fois pour arriver dans tête ministère Affaires étrangères et ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Bravo madame. Kembela, m'konnen ou et moi-même yo parle avec moi. Yo di mou son moun solide, son forme solide et demain TV plus. Alors, peut-être après-midi hein, n'a pral et garder plus et bagay que intervention côté fait pour nous faire ti parler ensemble avant. Et OK? Et c'est gros bagay. C'est gros bagay, c'est ça. Et maintenant,
En pile monde dit beto semaine ça m'a lagué bataille et révolution pour libération pays d'Haïti commandant Guy Philippe là m'a dit nous ça c'est bataille pam. C'est bataille pam gen gens que menel. Commandant Guy Philippe gon ligne de combat et gon stratégie de combat. Li ou tout elle clair. Guy Philippe pap bataille la bataille avant soulager la bataille avant sur long, sur longueur. Mais c'est peuple là qui a fait tous les batailles là. Peuple là capable font bataille soulager ensemble avant, ça veut dire que à la manière de Sri Lanka, côté que peuple a fou poté bourré, mettez moun kelvle a, retire criminel, retire vicieux, retire d'assoman, ou du moins, peuple a pralé droite vers les élections pour aller changer, ravet ça pour mettre moun de bien. Et c'est deux batailles. N'importe qui gens, peuple a gagné quand même. N'importe qui gens, peuple a gagné quand même. Pas n'importe qui moyen, peuple a gagné quand même. Kounia, à nous parler de dossier assassinat président Jovenel Moïse. Nous voulons jamais côté docteur Gariconi, j'aime souligner une fois dans déclaration qu'il a fait et que il était toujours président d'Haïti. Nous voulons jamais entendre côté docteur Koni parler de ça. Ça veut dire que nous voulons jamais entendre côté Gariconi parler de dossier assassinat Jovenel Moïse. Si Gariconi te connaît, puis sous des grandes sortes qu'on est garçon et ou t'as un jour raté. Sous des grandes sortes qu'on est garçon ou t'as un jour clair. Nous disons ça clair. Donc c'est assassinat Jovenel Moïse Agassom, pas que personne au monde, pas que personne, jamais personne, cap jamais capable camper comme Simda Diop pour penser que dossier Jovenel Moïse a passé en papier, même dans rêve, il va passer très laide. Et seulement pour tout pour la sortie belle, en d'un pays ça devant peuple ça, c'est organiser ou commencer. Alors continuer avec aussi des projets Jovenel, tu commences déjà dans pays à pour peuple là. Ce qu'on va passer des côtés et faire des bagages, nos chers ou appeler d'un pile. Et c'est ça qu'on va appeler. Et gagné naturellement un dossier qui nous te prend matin hein, nous te parlé de lui qui c'est Mackinson bon samaritain qui était dans hôtel Satama au Cap Haïtien. Et ben Mackinson et pendant que c'est dans hôtel là et ça qui passé yo volo tout bagay monsieur. Bon coffre fort monsieur gagne te gagne pile en pile l'argent, l'argent pour pays, l'argent pour peuple là. Parce que monsieur ça qu'il fait et des moun. Et ben yo en dans hôtel là cassé coffre fort. Il faut que nous relé chat là nanol. Faut que nous relé bef là nanol parce que si hôtel là pas vle bay caméra. Nous dit nous pas bay caméra, c'est que c'est nous volol, nous de bay cob là. Et faut que tout haïtien dans diaspora mette qui connaît de Mackinson là. Aider monsieur collecter $10, $15, $100 pour nous joindre l'argent pour nous payer avocat que ce soit local ou international pour dossier ça pas rester impuni. Faut que l'argent ça li remette. Et faut que Mackinson baille tout l'argent pour hôtel la remettre tout l'argent, ce soit hôtel ça. Continuer fonctionner ou bien personne haïtien pas jamais dans hôtel ça parce que yo ka assassiner n'importe monde dans hôtel ça. Nous va pas accepter le comme ça. En nos pays gros ça hôtel ça, yo comme si rentre dedans prend encore ouvert coffre fort nèg là, prend tout l'argent. Et puis les vinn poser question, ça nous répond ni oh oui ça l'a fait sur réseaux sociaux, pas qu'a affecté hôtel là. Et puis ay, nous pas connait nous prend là. Même pas beaucoup gens pas la Mackinson un jour. Ça va intéresser tout pas la veille. Mais ça monsieur qu'on a fait yo, l'a fait pour pays amis yo. Parce que l'établier moun yo, Mackinson songe yo. Là, le prend $10, $100, $300 dans la diaspora pour compléter, pour construire caille pour malheureux, malheureuse. OK? Construire caille pour moun. Mettez si moun l'école. Retirez moun qui dorme dans la rue. Mettez yon dans caille. Fait moun yon menon vie tant que moun. Et bien, nous décider pour une fin avec 14 ans. Sacrifice que nous avons fait pour le pays. Mackinson Border. Respect pour vous, chapeau bas pour vous. L'aime ou semblez. Ou son nèg tête green même j'avais ou son haïtien pas dit que ou c'est haïtien ou a dit soit date ou haïtien doit camper bokoto haïtien vicieux volé corrompu dans pays d'Haïti vicieux yo parce que haïtien dans pays d'Haïti gen quantité bon moun mais gosse de petit vicieux volé dans Port-au-Prince et dans pays d'Haïti en général ou toujours n'a parlé en faveur l'autre volé qui volé corbou yo mais haïtien conséquent dans diaspora y a camper derrière dou et c'est que toujours camper derrière dou me garantis ou il a continué camper derrière dou Mackinson bon samaritain kebe la border ou pas pour contou chapeau babou bon samaritain. Voilà déclaration Jimmy Cherizé barbecue mes amis
Moi même ça moi pas capable parler et bagaille en pile papa. Depuis que font dernier sorti là et moi va le partager ensemble avec nous. Barbecue passe sur l'autre bagaille. C'est sous guerre civile la droite barbecue et en avance en dehors de barbecue. Qui joue? Je dis à et je dis à qui joue? Je dis à mercredi 12 juin 2024. Madame Nama, madame Badel, ma sisma la kaïmwe. Si monsieur Mamsi nous vole, fais ça nous café. Ok? Nous ériger tête nous en tchoule, en cocorate, en tchoule grenègue, kap ve bisis grenègue, et puis kap marche tuye moun qui semble nous. Nous écoutez m'grepe là, écoutez cha, et pas cha, nous tracte à cha, koule l'ba akoule. Écoutez gros tracte à sot vin krasé kaïla. Mais son policier, si moun Delmade, avant hier, sakte nan cha, l'el ta fè reportage à France 24. Quand c'était plus loin, on a sauté dans le ghetto, le babes se connaît le frappé. Ou même qui était pas pour sauver. Qui était madame pas pour la sauver. Et où que ce vin là, l'année qui vient faire ma caca, qui dans l'Itag là. C'est mon bal avec nous. Un grand monde n'a pas goûté, un grand monde pas joué, un grand monde barbecue nous même. Maintenant même, nous avons fait ma caca. Ça n'a fait affaire. Et puis fini. Tout autant n'a fait violence là, tout n'est pas joué nous. Tout autant n'a pas tué moun dans le quartier populaire et tout autant moun dans le quartier populaire vin plus violent et a tué nous. Ok? Ben imbécile, c'est grand nèg avec politiciens qui te met zam yo dans le quartier populaire. Je dis à yon utiliser nous comme tchoul, yon voye nous de elle. Dans les barbecues, yon bal li badel, ma kote mye. Ma koui, m'bal vont chante pour nous et puis pepe m'a valé de m'chante. Top Ponino! Nous mêlons. Notre ave. La police pas cagoumet. La police pas fait pied sol. Maman, pour qui ça va périler? Papa, pour qui ça va périler? Où te connais, job là son job c'est qu'est pour qui ça va péril. Delma 2, Delma 4, Delma 6, mettez garçon sous nous. Comme si nous allons être ici, fout zago nous à terre pour nous venir prendre. Et pas vieux tracteur qui a fait craser, et pas vieux chat qui a fait prendre. Tracteur à chat, pop qui a prendre. Attendez? Je vais démolir toute zone et puis tout le monde est en bas de moi. Je vais craser tout ça. Net! Mais causé. Barbecue Jimmy Cherizier. Annoncer la couleur. Et barbecue définitivement, ou même si tout le monde est démon, mais pour ne quitter pour du barbecue. Et m'espère que barbecue a tourné démon pour ne quitter pour du là pour tout bon. Parce que Pierre Espérance produit barbecue. Mais ça barbecue a devenu jouni jodi a. On pongongon, on danger social. Mais barbecue fait exactement ce qu'il pour faire avec moun ou qu'il pour faire, mais bay peuple la possibilité pour le fonctionner. Moun Solino parle pour tête nous bay nèg avec zam manger nous sous prétexte que nous pral déchouquer bandi avec policier gang dandé. Policier Solino yo, c'est même yo même nan qui on a cherché renfort dans mes barbecue pour bataille pour nous contre nèg belé. Ça veut dire que je dis qui s'est passé. Il y a sans pitié pour nous. Et gang nan depuis ou de pour collaborer avec gang n'a sans pitié pour vous. On sait que madame avec politicien, de pour collaborer avec un politicien, à n'importe leur croiser nos bagages qui nous vol. L'a sans pitié pour nous dans nous dans ma code gars. OK? Pas jamais notre tolérance avec vous. Mon a fait ça qui bon, bat bravo pour lui, campé bon côté. Mais mon cher, ça m'attendait là, attendez là encore. Saisi. Je dis à qui joue. Saisi. Jeudi à mercredi 12 juin 2024, madame Namaron, madame Badel, ma sisma la kaïmwe. Si monsieur Mamsi nous vole, fais ça nous café. Ok? Nous ériger tête nous en tchoule, en cocorate, en tchoule grenègue, kap ve bisis grenègue, et puis kap marche tuye moun qui semble nous. Nous écoutez m'grepe là, écoutez cha, et pas cha, nous tracte à cha, koule l'ba akoule. Écoutez gros tracte à sot vin krasé kaïla. Mais son policier, si moun Delmade, avant hier, ça qui est dans Charles, elle a fait un reportage à France 24. Quand c'était plus loin, on a sauté dans le ghetto, le babé se connaît le frappé. Ou même qui était pas pour sauver. Qui était madame pas pour la sauver. Et où que ce vin là, l'année qui vient faire ma caca, qui est dans l'Itag là. C'est mon bal avec nous. Un grand monde n'a pas goûté, un grand monde pas joué, un grand monde barbecue nous même.
Maintenant même, nous avons fait ma carte. Ça n'a fait affaire. Et puis fini. Tout autant n'a fait violence là pour nous venir jouer nous. Tout autant n'a tué les gens dans le quartier populaire et tout autant dans le quartier populaire venir plus violent et a tué nous. Ok? Ben imbécile, c'est grand nègre avec politiciens qui te mettent des amis dans le quartier populaire. Je dis à eux utiliser nous comme choule, ils voient nous derrière elle. Dans les barbecues, on va aller vers elle, ma côté mieux. Ma couille, on va aller chanter pour nous, et puis on va aller me chanter. Topolino! Topolino! Après, les gens nous mêlent! Après, les gens nous mêlent! Nous mêlent! Notre travée! La police pas cagoumé! La police pas fait pied sol! Maman, pour qui ça va périler? Papa, pour qui ça va périler? Où te connais, job là son job c'est qu'elle pour qui ça va périr. Delma 2, Delma 4, Delma 6, mettez garçon sous nous. Comme si nous va être ici, fout zago nous à terre pour nous finir prendre. Et pas vieux tracteur qui a fait craser, et pas vieux chat qui a fait prendre. Tracteur chat, pop qui a prendre. Attendez? Je vais faire démolir toute zone et puis tout le monde est en bas de moi. Je vais craser tout ça. Net! Tête chargée. Haïti, tête chargée. OK? Haïti, tête chargée. Et bagaille en pile. Bagaille en pile, lui. Causez en pile. Mais espérez que gon bagaille qui fait. Mais m'a dit en tout cas, malheureusement, peuple va comprendre. Bataille commandant Guy Philippe là. Déclaration commandant Guy Philippe yo. Stratégie commandant Guy Philippe yo. Et ça que le dédil tap fait yo. Malheureusement, peuple ça pour que j'aime comprenne. Si yo te comprenne, nous tap sauvé en pile vie. Et encore une fois, je dis à Mabdil. Chapeau bas pour commandant Guy Philippe. Chapeau bas pour commandant Guy Philippe. C'est seul leader pour moi-même qui t'a pidi nous dans ça sans pas font bien de ça. Seul leader qui t'a permettre nous sauter dans ça sans pas gon bien de ça. À part de ça Pita Bral Pitris. A parlé ça? Pita à Pitris. Quand nous grave, situation nous parle plus compliquée que jamais. Veille en haut, veille en bas. Mettre corps, c'est lui qui veille corps. Samouya, li papiti. Que bon Dieu continue veiller sur chaque grand haïtien. Que bon Dieu dans ciel là